Salut, salut! Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode d'Another Homepage. Je suis Nils. On va continuer aujourd'hui nos CTF, enfin on va peut-être finir. L'idée c'est donc de faire un CTF, c'est-à-dire un Capture the Flag, et de le faire et de ne pas en démarrer un autre pour éviter d'être à l'arrache sur. Enfin, l'idée c'est de pouvoir finir un CTF. Et de ne pas en entamer un autre en n'ayant pas le temps de le finir. Bonsoir Xavier, bonsoir Rancune, j'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère aussi que le son est correct. J'ai fait quelques modifs sous le capot. Alors ça ne se voit pas au niveau de l'affichage pour le moment. Mais voilà, j'ai fait quelques modifs. Et j'espère que pour le moment, il n'y a pas de changement visuel. Il y en aura plus tard. Son et image, ok. Merci beaucoup pour votre vérification. Et merci beaucoup d'ailleurs pour votre soutien toujours présent. Vous êtes toujours là pour... Vous êtes toujours là d'ailleurs, j'ai envie de dire. Vous êtes souvent là. Vous êtes fidèle. Alors, donc, parlons peu, parlons bien. La vidéo d'aujourd'hui, si ça se passe bien, ça se passe en deux parties. C'est-à-dire qu'une première partie, c'est du CTF. C'est-à-dire donc du Capture the Flag sécu. Des piliers du bar, ouais, exactement. Alors, moi, aujourd'hui, pour le bar, je tourne à l'eau. Hein. Hop. Salut à toi, Terence, bienvenue. Et d'ailleurs, doublement bienvenue, puisque first time chat. Salut à toi, Christmas 29. Donc, j'espère que vous allez bien et que... donc, on va démarrer cette... Enfin, on va parler un peu de cette histoire de CTF. Je disais donc... Si les choses se passent bien, deux parties. Une première partie, Capture the Flag sécu. On va essayer de terminer le CTF. Je crois que c'était Lazy Admin. Ah, FCLab, tu me confirmes que Chaos va me raider, c'est ça? En plus, j'ai regardé son stream, c'était assez chouette. Et donc, deuxième partie, si tout se passe bien sur ce CTF, eh bien, on va papoter un peu hardware et sur les prochains projets. Eh ben voilà, ça manque pas. Bonjour à toutes et à tous, salut les raiders, salut Chaos, enfin re-Chaos, j'espère que... vous avez eu le temps de finir parce que du coup j'ai le temps que je prépare le stream, moi j'ai pas vu la fin. J'espère que... bonjour au sauveur de live, oh j'ai pas sauvé le live quand même. Ah, dites-moi, vous avez réussi à faire l'exploit alors je crois que Chaos a pu faire l'exploit, donc il faisait un CTF... où il y avait une exploitation de Shell Shock, et donc il a réussi à obtenir le flag. Vous avez fini le CTF, ah c'est génial, bravo à vous, box fini, ah ça c'est classe. Eh bah GG, moi franchement je dis GG. Eh bah c'est super, installez-vous. Oh punaise, 88, oh là là, je vais prendre un screenshot, hein, parce que 97, non on va pas atteindre les 100 viewers quand même. Une minute pour le route, ah oh, la classe. Merci beaucoup pour le follow, BotClean. Merci à toi. Et merci aussi à Guesser pour le follow. Merci. Merci à FluoXemin, à TheVengeur, à Xeon21, à ElRancho92, à Yartur, à LePew3D. Merci à vous tous. Alors ça va mouiner par ici, normalement, le temps que ça arrive. Eh, c'est la folie dans le studio. Allez-y, installez-vous. Ah, oh, punaise. Ah, merci à toi, Ashlex, pour le follow. C'est gentil, merci beaucoup. Ouais, il y a de la place sur le canapé, vous inquiétez pas. Puis au pire, on en trouvera un deuxième. Ça fait plaisir, ça, que du bruit. Ouais, il y a toutes les petites moulinettes d'alerte de follow. C'est très gentil à vous. Punaise, on est déjà à 740 followers. Oh la classe. Oh, vous êtes trop géniaux. Merci. Merci mille fois. Enfin, merci 740 fois. Alors. Tac, tac, tac. Où en étais-je, moi? Je voulais passer le truc en full screen. Alors, qu'on n'a pas encore sous les yeux. Et ensuite, je voulais hop, mettre en un peu plus gros. Voilà, un big. Donc je disais, hey, salut Yoda, bienvenue. Je disais donc, avant que les raiders nous raident, si tout se passe bien aujourd'hui, le stream est en deux parties. Une première partie,
CTF. On va essayer de finir le CTF Lazy Admin. Et deuxième partie, ouais, je vais faire le 2 comme ça, en espérant être que ce soit, en étant optimiste, le V de victoire. Eh bien, ce sera, on va causer un peu hardware. On va peut-être, avec un peu de chance, ouvrir cette boîte. On va découvrir son contenu. Hop, alors, restaurer la session. Tac. C'est bon, tout le monde est sur le canapé. Tout le monde est allé regarder sur tryacme.com la room Lazy Admin qu'on va faire tout de suite. Bah tiens, on va se lancer. Oh là, merci beaucoup pour le follow, Raton Souilleur. Merci à toi. Merci aussi à Riser Robot. Merci à toi. Alors, Riser Robot, je sais pas si c'est en référence au système de fichiers RiserFS sur Linux. Oui, Christmas, un joli processeur que j'ai réussi à obtenir grâce à la générosité de gens sur Internet. Alors, je vais passer tout de suite sur la vue. Alors non, Hades, ce n'est pas un AMD, c'est un Intel. Hop là. Mais je n'en dis pas plus. Ah, tiens. Ah oui, d'ailleurs, voilà, ça commence bien. Voilà, je suis... qu'est-ce qui se passe? OBS qui est en train de me cracher à la figure. Non, c'est bon. Non, ok. Je pense qu'en fait, c'est à cause des follow. D'ailleurs, merci. ASV, please. Merci pour le follow. Ouais, trop d'alerte, ça doit être ça. Par contre, du coup, j'ai le chat qui déborde sur le... Qui déborde sur le... sur l'overlay. C'est ballot, ça. Alors, je peux du coup pas changer les trucs. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Si je fais ça... Non, non plus. Hop, non. Bon, et ben, voilà, vous êtes en train d'écrire sur ma tête. bot clean, pour être honnête avec toi, je ne suis pas trop la scène CTF. Ouais, j'ai... Oh, DJ Thales, non, arrête, on va éviter ce genre de bêtises-là. Est-ce que je peux... Ouais. Passer le chat derrière la caméra. Alors, je vais du coup... Alors, ça va être un peu bizarre, hein. Vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Ici, il est trop monté, donc on va revenir... Et me revoilà, encore un peu plus bas. Je reviens, on y est presque, juste un petit peu plus bas. Voilà, parfait. Bon, c'est pas tout à fait ça. Je vais l'ajuster encore un petit peu. Hop. Ah bah non, il est à nouveau... hop. Ah non, c'était le desk... Ah oui, le desk cam, il est bon. Et par contre... Ouais, donc il faut que j'aille mettre la... Pourtant, la caméra... Hop, voilà, la caméra est devant. Voilà. Hop. C'est bon. Voilà. Ouais, c'est de la bricole. C'est de la bricole. Bon, j'espérais que ça se fasse sans souci. Et puis finalement, ça s'est fait avec un petit peu plus de soucis que prévu. Je pense que c'est à cause du fait que la taille du chat n'est pas la même quand je suis dans cette scène-là. Que j'en suis en mode blabla. Et merci beaucoup pour le follow Fips01 et Ange3235. Merci à vous. On n'a pas les derniers messages. Ouais, effectivement. Va falloir être plus bavard. Voilà. Et de toute façon, il y a un délai, en effet. Bon. Allez. On a la caméra. Hop. On va remonter ça un petit peu. C'est qu'en gros, j'ai voulu essayer de faire quelques améliorations sur l'overlay et visiblement, quelques améliorations que j'aurais dû un peu mieux planifier. C'est ça, on perd le bas de la fenêtre. À la rigueur, ce que je peux faire, puisque de toute façon, je passe pas trop souvent en blabla, je vais éventuellement remettre...
Non, mais là. Voilà. Voilà, comme ça au moins, il y a tout. Alors ça dépasse un peu sur l'overlay, malheureusement. Est-ce que je peux... Est-ce que je peux... Est-ce que je peux mettre l'overlay avant? Parce que là, si je mets l'overlay, non. Bon, c'est pas grave. Du coup, il y a là-haut, là, ça dépasse un petit peu là-haut, mais c'est pas grave. C'est pas dramatique. C'est un poil embêtant, mais c'est... Voilà, exactement. On va laisser comme ça. Bien, bien, bien. Où en étions-nous? On en était à... On voudrait finir cette box Lazy Admin sur laquelle, en fait, j'ai eu un peu de mal. Et... alors, je ne suis pas allé regarder comment dire, de write-up de la box. Document. PHM. Et on a Lazy Admin. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait là-dessus? On avait tenté un Nmap. Hop. Ok. Hop. On avait tenté un Nmap, on avait vu qu'il y avait juste un 80, un 22. Ok. Et donc, l'idée... Bah écoute, pendant le Slack, si tu veux les compter... ouais, j'avoue, le CMD Green Hackers, la ref, comment dire, la ref Hackers et la ref Matrix sont complètement volontaires. C'est des univers qui graphiquement me parlent et que j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que j'avais fait? GoBuster.log, GoBuster Medium. Ah ouais, on avait fait ça. On avait cherché des trucs. Alors, si je fais un grep-v404. De GoBuster, Medium. On avait vu... Ah oui, on avait la wordlist. Qu'est-ce qu'on avait vu? On a vu qu'il y avait un serveur status en 403. Ah tiens, on l'avait pas fait gaffe. Tu commences un fichier X. J'aurai les stats le mois prochain. Ok, pourquoi pas. Tout à fait, Digitalaise, 403 Forbidden. Mais ça veut dire que ça existe. On n'y a pas accès, mais ça veut dire que ça existe. Et le 301, donc on a un redirect. On avait vu qu'il y avait un truc dans slash content, on a vu qu'il y avait un CMS. Il y avait un CMS et on voulait essayer d'exploiter une vulnérabilité dans le CMS, je crois, pour essayer d'être admin. Après, il y a deux questions. Il y a un user flag et il y a un root flag. Donc on va peut-être essayer d'y aller, d'y aller à deux, comment dire, on va peut-être essayer de faire les choses. Merci beaucoup Stelios Knossos pour le follow, merci à toi. Donc l'idée c'est d'essayer peut-être d'y aller par étapes. On avait voulu essayer de faire un petit exploit. Et j'étais en train de penser à un truc, éventuellement. Alors non, la box est en Linux. Tiens d'ailleurs, je vais la démarrer. Start machine. Et ouais, je crois qu'on voulait essayer dans le SSH usernames. Je crois qu'on voulait essayer de username énumération. Ouais, voilà, on avait voulu faire l'énumération d'utilisateur. Donc normalement, voilà, on avait eu ça comme parce que ouais, on avait fait un. D'accord. Non, ça c'est pas tous les trucs qu'il y a. Username SSH. A priori, on avait fait de l'énumération. Ah mais non, c'est vrai que c'était sur ton live que j'avais vu que tu faisais la box Lazy Admin. Je pensais que tu l'avais fini le dernier live. Non, je l'avais pas fini, Botclean. Malheureusement, je me suis un peu cassé les dents dessus. Et pour l'instant, je suis plus en mode, je vais essayer de pas aller lire les write-up. Mais si je galère trop, je vais peut-être tricher un peu. Et je crois qu'on avait, ouais, on avait voulu lancer un Hydra pour essayer de voir si les mots de passe étaient un peu... ok. En espérant qu'il n'y ait pas un fail to ban qui... Bah écoute, DJ Thalèse, on verra. On verra. L'idée, c'est de ne m'en servir qu'en dernier recours. Alors, pendant ce temps, la machine, elle vient de démarrer.
On va la copier. Hop. Si je vais en HTTP dessus. Hop. On va avoir le truc d'Ubuntu, normalement. Parce que dernière nouvelle, c'était une Ubuntu. Bah, il y a un moment, même si effectivement j'aimerais éviter le plus possible les write-up, à un moment, si j'y arrive pas, s'il me manque vraiment une bêtise. Pourquoi il n'en veut pas? Ah, elle a peut-être pas fini de démarrer aussi. Hop, try avec me. Eh, mais non! Tiens! J'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. Hein? OpenVPN. Hop. OpenVPN. Voilà. Je suis tellement focus sur le truc que j'en ai oublié de lancer le VPN. Donc. Hop. Revenons là. Et maintenant, c'est bon. Donc, on avait ça. Slash content qui nous affiche le CMS, en tout cas la page d'accueil. Et je crois qu'on avait trouvé des choses. Alors, Botlin, toi, tu l'as déjà fait, tu te souviens plus très bien. Si tu as des brides de souvenirs, je te donnerai des hints en B64. Comme ça, je pourrais les lire que si je le veux. C'est une idée, c'est une idée. Je connais des gens qui ont lu des write-up même pendant leur préparation de l'OSCP. C'est pas une honte d'être un peu bloqué. Merci El Cafou. Je suis admin, je suis pas Victor Hugo. Ben, c'est un peu ça, hein. Je suis pas pentester. Je le fais parce que ça m'amuse. Donc le principe, c'est qu'il faut que ça reste amusant. Si je reste bloqué pendant 2 heures, c'est plus amusant. Voilà. C'est comme ça, au moins, c'est clair et c'est dit tout de suite. Le but, c'est que j'apprenne et que je m'amuse. Ah oui, ça c'était l'ancienne box, je pense, l'ancienne IP. On avait cherché des trucs. Ah oui, on avait cherché les trucs. Est-ce qu'il y a une version sur le. Parce que le truc. Powered by Sweet Rice. Alors, je crois qu'on avait essayé ça. On n'avait pas voulu faire un admin. Admin.php, je sais plus. Non, c'était pas ça. Si je reviens sur la box, il donne pas d'infos de plus. Ok. Dans les exploits, qu'est-ce que j'ai? Bonne question. Alors, faut que je revienne sur les exploits. Qu'est-ce que j'avais sur cet exploit-là qui était username enumeration. Donc ça, on l'avait fait. Ça, on l'avait fait. Et ah oui, je voulais lancer un Hydra quelque part en tâche de fond. Ah, c'est un fichier binaire. Ok. Ah, punaise. Sérieux, il m'a... Voilà. Ouf. Est-ce que j'utilise SearchSplug pour voir le vue? Nope. Ou alors, j'ai oublié. Qu'est-ce que j'avais mis dans les trucs? Nine Tools. Mais déjà, j'aimerais bien revoir la version du Binu. Sweet Rice, je crois. CMS Sweet Rice. C'était pas basic-cms. On l'avait retrouvé la semaine dernière en plus. CX Security. Sweet Rice 067 cross-site scripting administratif password reset. Ah! Voilà, ça c'est intéressant. La pub par contre, ça l'est moins. SQL injection. Qu'est-ce que j'ai comme note? Alors, je me suis mis des choses là-dedans. Je m'étais mis l'exploit. J'avais lancé un Hydra, visiblement, parce que j'avais trouvé les... j'avais fait donc... Non, pas celui-là. Hop, c'était celui-ci. Voilà. Là, j'avais trouvé tout ça comme... j'avais fait l'énumération. J'avais trouvé ça comme ça. Et... c'était quoi, celui-là? Hop. Ouais, c'est ça. Voilà. Un petit cherry tree, non? Un cherry tree, je ne sais pas ce que c'est. J'avais fait un Go Buster, mais c'est justement dans le Go Buster qu'on avait trouvé slash content.
celui-là sur la cherry tree égale bloc note. Ah, d'accord, ok. The falling pock is available. Ah oui, c'est vrai qu'on avait voulu essayer de faire un truc comme ça. Vi exploit.html. Hop, voilà. Ouais, on avait voulu tenter un truc comme ça. Slash content, slash as. Ah, est-ce que j'avais pas fait un slash as? Ok, donc ça, c'est la page de login. Je me posais la question de est-ce que le copyright était hardcodé ou pas. Mais en fait, le copyright, bon, il peut très bien être codé par le PHP. Salut à toi, Fixoulab. Bienvenue. Et je crois qu'on en était resté à tenter de... La question que je suis en train de me poser, c'est... est-ce que on peut tenter du brute force? La première question que je me pose. Non, c'est pas ça que je veux faire, c'est hop, rendre le truc plus gros. Voilà. Et remonter ça. Hop là, voilà. Document THM. Lazy admin, on l'a dit. History, history pipe grep hydra. J'avais fait un truc comme ça. Allez, rmhydra.log. Et on va relancer ça. On va juste changer l'IP. Hop. Puisque le but, c'est d'essayer de voir si en utilisateur SSH, il n'y aurait pas... Voilà. Donc pendant que la... Comment dire? Pendant qu'on réfléchit à d'autres choses, on a un brute force qui tourne, on sait jamais, sur un malentendu, il y a peut-être un mot de passe débile pour le SSH. Hop, on va revenir ici. Donc on a normalement une vulle, mais je ne sais pas quelle version de Sweet Rice on a. Est-ce que est-ce qu'on aurait un truc du genre readme.txt? Non. Est-ce qu'on aurait un readme.md? Non plus. Ce qu'on pourrait peut-être tenter, puisque j'avais cru voir un outil sympa, mais j'ai déjà oublié le nom, lors du stream de Chaos. Pop, 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 pop. C'était un dire quelque chose, non? Brute force sur SSH une box, c'est vraiment rare. Ok, merci du tuyau. Ouais, dire search, Enux. Exactement, dire search. Alors, est-ce que dire search, ça pourrait pas nous aider? Dire search. Non. Dire. Tiens, je l'ai pas. Ou c'est dire S? Hop. Display directory stack. Non, c'est pas ça. Tu devrais refaire un résumé des différents exploits sur Sweet Rice. Ah, peut-être. Peut-être aller chercher les Sweet Rice exploits. Sweet Rice CMS exploit. Arbitrary file upload. Oh. Backup disclosure. Oh. Code exécution. Ça commence à me plaire. Il y a un write-up. Oh là là, faut faire attention. Hop. Je crois que j'ai oublié un truc, d'ailleurs au passage. Yes, je chauffe. C'est dire search en lancé. Ah oui, d'accord, il n'est pas installé par défaut. Eh ben allez, sudo apt install dire search. J'ai oublié de faire ma petite com sur les réseaux sociaux d'ailleurs, que le stream avait commencé. Bref, on va revenir là-dessus. Code exécution. Alors, SweetRice CMS panel. Ah, il y a cache. Ah. Comment ça marche leur bignou? Alors. Il dit quoi?
software link. Ah oui, donc ça c'est juste le lien vers le logiciel. Donc, dans le panneau... Cross-site request forgery. Ah. Donc si ça se trouve ici, au lieu de écrire echo act et php info, on pourrait peut-être même mettre des trucs du genre vas-y, file-moi le etc shadow ou exécute un reverse shell en fait. Alors la question que je me pose, c'est ce HTML, où est-ce qu'on le met? Ça se tente, hein. Allez, copier. VI, donc c'est un CSRF, c'est ça? CSRF.html. Hop. Voilà. Je pense que effectivement on va peut-être commencer avec un reverse shell. Alors ce sera pas localhost, ce sera oula. Ce sera ça. Copier. Hop. Alors du coup, j'ai mis trop de trucs. Slash content slash as. Hop. Post exploit, nanana, nanana, nanana. Donc l'idée c'est quoi? C'est j'essaye d'accéder à ce truc là depuis mon Firefox en fait. Document, try admin, lazy admin. Et donc là a priori, d'après le truc, je peux y accéder en slash ink slash ads slash act.php. Ah oui, il y a un slash en trop. On va bien voir. Hop. Et faut virer ça. Non, not found. Ça a pas l'air d'avoir marché. Alors c'est peut-être effectivement que j'avais un slash en trop. Donc on va l'enlever. Hein. On sait jamais sur un malentendu. Hop. Allez, on recommence. Ok, ensuite on essaie de récupérer ce truc là, on vient ici, j'aurais dû mettre AS effectivement, hop, non toujours pas, donc soit la machine n'est pas vulnérable, pendant ce temps il en est où lui là? Est-ce que j'ai essayé une injection SQL dans le formulaire? Non. Non. Elle serait où cette injection? Ah! Attends, il y a une autre CVE qui est là. Ça doit être celle-ci, peut-être, si tu me parles d'une injection SQL. Ah oui, puis il y a la password reset feature. Alors, file not found. Ouais, ça commence bien. Et celle-ci, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Pareil, il va me dire file not found. Génial. Bon, après, j'ai les numéros de vulnérabilité. Donc, à la limite, on peut peut-être essayer de regarder. Donc, ça, c'était quoi? Ça, c'était le... Bon, celle-ci a l'air plus intéressante quand même. Allez. Ah bah c'est celle-ci qu'on avait essayé. Essaye administrator, tu veux genre administrator? Non. Non. Alors, allons-y. Login failed. Bon.
Alors. Parce que là, a priori, il me met des choses, mais il faudrait que... Ben, je ne sais pas, Xavier, sur quelle version je suis. Bah, je t'en prie, GnuPG, ça m'a fait plaisir. Je le suis un peu sur Twitter, mais je savais pas qui streamait. Code source de la page. Ouais, c'est une... on va revérifier, tiens. Est-ce que j'ai un truc genre version qui traîne quelque part? Non, j'ai rien. Alors V, à mon avis, ça va être un peu... Et c'est pour ça que je voulais installer dir search pour voir s'il n'y a pas des README qui traînent en fait sur la machine. J'ai installé dir search. Dans le code source avec Wapalizer ou WattWeb. Alors, justement, Wapalizer ne me dit rien. Si je vais ici, bon, je refresh la page. Hop. Et Wapalizer me dit juste Apache Ubuntu PHP. Alors faut peut-être que je prenne la version payante. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et si je reviens juste dans slash content. Là, il ne me donne rien grand-chose. Et puis le lien ici n'est plus valide. Merci beaucoup pour le follow, Adèle246. Merci à toi. Et alors, El Rancho, je suis pas forcément pour l'instant. Ouais, les injections dans le formulaire de connexion. Ça peut se tenter, effectivement. Alors, je t'avoue que je suis pas forcément un, comment dire, un pro de l'injection SQL. Administrator. Ah, et tu voudrais que je fasse un truc du genre. Non, Google n'est pas mon ami. Google n'est l'ami de personne. Ceci étant, SQL injection O2. Allez, non, pas O2. Hop. Merci beaucoup pour le follow, Duke. Merci à toi. Bah tiens, W3 school. Allez. Mais non, je veux. Oh, punaise. Préférence. Hop. DuckDuckGo. Mais non, mais. Oh là là. Les moteurs de recherche ne sont pas nos amis. Ils nous rendent un service. Et on le paye d'une manière ou d'une autre. Tac, 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 tac. Comment il fait? Parce que là, il nous fait juste des. Comment on le balance dans... J'ai pas exploré toute la piste d'exploit du départ. Effectivement. Mais... déjà d'une... En plus, celui-là, il revient encore sur une 404. Est-ce que l'injection cheat sheet... Allez, ça se tente. Est-ce que l'injection cheat sheet... Hop. Web Security Academy, voyons voir ce que c'est. Ouais. Tu voudrais que je fasse un truc. Alors, je vais peut-être revenir sur ça plutôt. Attends, elle est où ma page? Hop. Voilà. Alors, on va mettre un login, un mot de passe, et puis tu veux faire un dièse or. Ouais, un dièse. Allez. Or. Hop, or. 1, 1 égale 1, comme ça. Avec un point-virgule, peut-être. Non, il me dit login fail, mais je vois rien derrière. Ah oui, avec les côtes. Ok. Tac.
SQL Map, sinon, sauf si tu veux le faire à la main pour la gloire. Effectivement, peut-être SQL Map, mais d'abord, sur le principe, tac, or 1 égale 1, tiret, tiret, non plus, et si jamais je fais enlève ça, je fais ça, bon, allez, pendant ce temps, lui, il est, allez, est-ce que j'ai SQL Map d'installer là-dessus? SQL Map, ouais. Attends, je vais te trouver une liste d'injection. Ah, c'est gentil, ça. Tac, tac, tac. Alors. Putain, qui c'est qui avait parlé de faire un tableur avec des tics de langage, hein. Bah, il peut rajouter tac, tac, tac dans la liste. Voyons voir. Moins U, URL. Moins G, Google Doc. Data. Alors, comment est-ce qu'on fait? Bon, bah, on peut lui balancer du coup un moins U avec l'URL du truc. SQL Map. Simple Wizard for Beginner User. C'est pas mal ça? Moins Wizard. Un truc pour les noobs. Please enter full target URL. Bah, hop, celle-ci. index.php. Voilà. Post moins moins enter for none. Bah, écoute, pour le moment, j'ai rien. Injection difficulty. Hein? Énumération. Please choose. Allez, soyons fous, tout. Alors, il n'y avait pas de formulaire sur la target URL. What? C'est bien index.php. Ouais, c'est celle-là. Une chelou cette affaire. Ouais, non. Ok. What? Alors, pendant ce temps, on avait quelqu'un qui nous disait, hop, voilà, on avait dit Jadalès qui disait, j'ai pas exploré toutes les pistes d'exploit du départ. Alors, où est-ce que j'en étais? Donc, on a des remote file inclusion, on a des directory traversal, on a des cross-site scripting, il y a de tout, mais après, ça va dépendre de la... des vuln. On a des injections SQL, donc ça c'est justement ce qu'on essaye de passer. Et on a le password reset. Alors sachant que a priori c'était lequel qu'on a voulu faire. On a voulu tenter un upload de fichier, je crois. Deux mille quinze, 2009. Alors. Ça c'est pas du Joomla, c'est du Searchsploit Sweet Rice. Hop. Tu n'avais pas trouvé un backup disclosure. Ah! Alors, Sweetrise Backup Disclosure. Parce qu'en fait, si on trouve le backup et qu'il y a les infos. Merci beaucoup pour le follow négatif, KDA. Merci à toi. Alors, / Sweetrise Transfer. Non. Non. Alors si c'est ça. Alors. Non. Stash AS peut-être. Non plus. J'ai pas bien lu. You can access to all MySQL backup and... Ah! / inc / MySQL backup.
Non. Non, 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 c'est pas possible ça. Comme ça? Oh non! Oh non! C'est... Oh! Allez, copier l'adresse, copier le link. Wget. VI. Ah oui, c'est moche, Haribo Datia. D'ailleurs, salut Haribo, bienvenue. grep moins i passe w dans MySQL. Ouais, le rancho, il y a le backup qui traîne là. Mince. Ah, je suis moins moins color parce que moins moins color. Hop. Passe double. Alors attends, admin. Description. Alors. C'est plus une faille, mais un gouffre. Ouais, c'est un peu comme laisser traîner le point git à la racine de son site, quoi. Oh, des creds, ouais, des creds. Alors, merci pour le follow, Yannux. Et salut à toi, Arpenteur. Tu serais pas le même Arpenteur qu'on retrouve sur les streams 10 000 par hasard? C'est un H, Crackstation, go. Crackstation, ouais. Hop, mince. Peut-être. Bah écoute, bienvenue à toi, Arpenteur. Et alors, pour répondre à ta question, aujourd'hui, c'est Capture the Flag, séance de Capture the Flag. Si, a priori, on est bien parti pour que ça dure moins de 2 heures. Et du coup, l'idée, c'est que si je réussis assez vite le Capture the Flag, eh bien après, j'ouvre cette boîte qui contient un processeur. Et je vous en parlerai un peu. Tu ne sais pas si tu t'abonnes pour le CTF ou l'humour, peut-être les deux. Eh bah écoute, dans la mesure où les CTF, je vais sans doute faire une pause après celui-ci, j'espère que tu resteras pour l'humour. En tout cas, j'espère. Alors, où en étais-je, moi? Ouais, donc, on a un hash de mot de passe. Et si j'y arrive pas avant 2 heures, je retourne la boîte au magasin. Alors, GnuPG, la boîte ne vient pas d'un magasin. Et vu l'histoire que je ne peux malheureusement pas vous raconter à propos de la boîte, je sais pas trop à qui je vais pouvoir la rendre, en fait. non, non, c'est pas tombé du camion. Promis, c'est pas du vol. Mais en gros, voilà, j'ai passé il y a quelque temps comment dire, un message sur les réseaux sociaux en mode, je cherche des processeurs pour aller avec une carte mère donnée. Je cherche à avoir au moins 2 CPU identiques parce que c'est une carte mère biprocesseur. Et quelqu'un a eu la générosité de me filer donc 4 exemplaires de la boîte que je vous ai montrée. Donc il y a celle-ci et il y a ces 3 sœurs. Et bien entendu, la source souhaite rester anonyme, mais je peux vous dire une chose, c'est que ce n'est absolument pas du vol. Que les choses soient très claires. Ensuite, on voulait essayer de craquer ce hash avec CrackStation. Est-ce que je l'ai ici au moins? Non. Sudo apt search crackstation. Hop là. Non, il n'y a rien. Ah oui, mais si ça se trouve, CrackStation, c'est... hop. Voilà, il est là. Tac. Et je suis pas un robot. Passe... Non! 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 Ouais, merci du rappel, elle rend chaud. L'espace d'un instant, je l'avais oublié aussi. Donc, a priori, le login, c'est admin sans majuscule. Et le mot de passe, ce serait password 123. Il y a quand même une majuscule OP, hein.
Allons-y. Admin. Login failed. What? Lazy admins website. Author. Lazy admin. Title. Keywords. Description. Admin. Ou à moins que ce soit manager. Manager peut-être. Non! Oh, 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 bravo. Merci pour le coup de main. Merci beaucoup. Alors oui, les majuscules dans les mots de passe, c'est important. On rigole. On rigole pas avec la sécurité. Ok. Bien, bien, bien. Donc. Donc on a déjà. On a des chats. On a déjà ça, et maintenant, comment on fait pour la RCE? Ah, c'est une bonne question. Alors déjà, la question que je me pose, c'est... Ah, Botlink qui envoie son petit... Son petit indice en base 64. Alors, on va essayer de ne pas s'en servir tout de suite. Hein. What the... Qu'est-ce qui s'est passé là? Catégorie post comment attachment general.htaccess. Ok, général... Lazy admin, dashboard directory. Après, là, je suis CMS page. CMS page. Alors, attends, tu m'as dit CMS page. Ref shell. Regarde si c'est comme WordPress. Alors, attends. Déjà, je découvre un peu le truc. Le dashboard. Ah, tu parles de la technique. D'accord. De toute façon, il n'y a rien un peu. Hein. Le CMS, il est globalement vide. Hein. Est-ce que le truc check... Je dois pouvoir créer une page. Oui, effectivement. Ah, bah oui, je peux créer une page et mettre un reverse shell. Oui, effectivement, Ifsilab. Bien vu. Bien vu, bien vu, bien vu. C'est des choses qui ne sont pas des réflexes pour moi. Donc, data backup, data import. Ok. Donc, alors, catégorie, liste, create. Ah oui, je peux créer une catégorie. Voilà, je crée un poste en fait, si ça veut bien. Alors, on va revenir là, on va faire comme ça. J'ai l'impression d'avoir cassé le biniou. Il me reste combien de temps, tiens, d'ailleurs? Il me reste 33 minutes. J'ai tellement d'onglets, je sais plus où j'en suis. Qu'est-ce que j'ai fait du... Ah, il est là. J'aurais fini avant. Ok, on va l'espérer. Tu l'as fait il y a longtemps, tu t'en rappelles plus. Mais c'est pas grave, FCLab. C'est, voilà, c'est l'occasion de te faire un petit... Alors, post. Je vais lister les posts déjà. Mais j'aimerais bien qu'ils reviennent. Type égal post. Copier. Mais non. Oh, punaise. Pourquoi il me... J'ai l'impression qu'il s'est passé un truc là. J'ai dû faire une mauvaise manip. J'ai cliqué un peu partout. Et la page se traîne. J'ai pas quitté le VPN. Non, le VPN est toujours là. Même si j'ai des erreurs. Tiens, je suis tenté de regarder un truc. Ah, j'ai peut-être tenté ma chance. SSH manager at. Hop. Alors, pas en HTTP, s'il te plaît. Eh, on sait jamais sur un malentendu. Oui, je suis sûr de. Alors, et le mot de passe. On avait dit que c'était sur Crackstation. On l'avait trouvé. T'es passé où, Crackstation? Hop. Et il était là. Damned. Hop, voilà. Allez, copier. Non, il est lazy, mais pas à ce point-là, a priori. Bourrinos va. on sait jamais sur un, malentendu. Sur un malentendu. Je crois que j'ai cassé le CMS, les gens, là.
Effectivement, je prends pas de notes, je devrais, sans doute. J'y vais un peu la fleur au fusil. Je crois que j'ai foutu en l'air la box. Ah, mais si ça se trouve, c'est le... c'est le bruit de force, peut-être, qu'il est en train de la mettre... oui, effectivement, pour noter les creds, tiens. Allez, tu sais quoi? On va faire un truc. vi-notes.txt. Hop. On va revenir ici. Hop. Tac. Login égale manager. Et... Pass égale, on a dit password 1, 2, 3. Hop. Hop. Alors pour l'instant, le logiciel de prise de notes que j'essaye d'évaluer pour le moment s'appelle Joplin. La raison pour laquelle je veux tester celui-ci, c'est parce qu'a priori, je peux synchroniser des notes via un cloud. Alors El Rancho, j'essayais de brute forcer l'accès à SSH, mais je pense que je vais lâcher l'affaire. Donc ça, c'est bon. Ça, on l'a utilisé. Alors, ce qui m'a conduit à utiliser Joplin en premier, FCLab, par rapport à d'autres, je pense notamment à Obsidian, à Notion ou à des trucs, c'est que Joplin, le code source est libre de mémoire. Ce qui n'est pas forcément le cas d'autres d'autres logiciels. Donc ça, les backup disclosures, ça, on l'a vu. La SQL injection, on l'a pas encore vu. On va voir ça après. Multiple vulnerabilities, oui. Ah oui, ça, c'est le truc qu'on voulait tenter. À skip, ça sert à rien, c'est-à-dire. De quoi qui sert à rien? Joplin, tu l'as fait tester par ton neveu qui utilisait le truc Microsoft pour ses cours à la fac, il l'a adopté. Ah, c'est cool. Bon à savoir, Tregui, merci. Et d'ailleurs, bonsoir à toi. Ah, le bruit de force SSH? Ouais, bon, bah écoute, dans ce cas-là, hop, on va l'arrêter. Et on va relancer la box, parce qu'a priori, elle a l'air d'être un petit peu plantée. Hein. Alors, est-ce que je peux faire un... Ah bah, de toute façon, il m'a... Start machine. Parce que si je fais un terminate, je sais pas si je peux... si je peux la relancer ensuite. Parce que le help, c'est quoi? Reset progress, leave. C'est quoi le help? Vidéo solution write-up. Ah non, c'est pas ça qu'on veut. F5 plus ajouter une heure. Allez, et bah allez. Hop. Est-ce qu'il y a un reset de box? Parce que je vois pas où est-ce qu'il y aurait un truc en mode reset la box. Ah, je la terminate et je la redémarre. Ok. Allez, je terminate. Voilà. Et je la démarre. Ok. Pas de soucis, El Cafou. Bon préparage de popote. Et merci d'être passé. Si jamais tu veux profiter, normalement, il y aura le replay. Hein. Ok. Et puis ça repart. Et dans moins d'une minute, je vais avoir une nouvelle IP. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, pendant ce temps-là, ça, on va voir après. Je vais peut-être devoir relancer le truc, d'ailleurs. Et bah, El Rancho, merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup pour ton aide. Et bonne révision. Travaille bien. Ramène des bonnes notes. ça, c'est quoi? Unrestricted file upload. Eh, ça commence à me plaire. Print banner. C'est quelle version de Python, ce truc-là? Ça date de... Ouais, ça sent le Python 2. Bon, on va espérer qu'il n'y ait pas de... OS System, from request... Oh là là. On va espérer que ça passe en Python 3. Hein.
copier. Alors, VI, c'est quel CVE ce truc-là? Ah, il n'y a pas de CVE. Donc, il l'a appelé comment son binou? Arbitrary file upload? Eh ben, allez, file upload. File upload.py. D'ailleurs, j'aurais peut-être laissé traîner. Est-ce qu'il faut pas mettre en... Alors, qu'est-ce qui... Ah oui, enter username, enter password, enter the target URL. Hop, allez. Tu veux bien démarrer. What the... Ouais, c'est bizarre cette affaire. Il m'a lancé un truc. Il me change le... Qu'est-ce que c'est que ce script? Qu'est-ce que c'est que ce script? Python sweetrice.py. Ah d'accord, fallait lancer comme ça. Ok, allez. Est-ce que la box est de nouveau... Ok, allez. Ça c'est copié. On va essayer d'aller là-dessus. Donc slash content slash as. J'ai oublié le slash à la fin. Il me l'a remis. Et donc on a dit manager et password. 1, 2, 3. Login failed? Non. C'était bien ça pourtant. Ah, il a peut-être été remis à zéro. Le truc est peut-être généré. On avait le backup. Le backup. Botling, pour toi, les devoirs sont enfin finis. Deux après-midi, c'était long. Allez, courage. Elle était où la liste du... Voilà, slash inc, slash MySQL backup. Alors, est-ce que je le fais comme ça? Non. Hop, c'est celui-là. Voilà, on va le retélécharger. Ah, j'étais peut-être en... Peut-être que j'avais mal... Je crois que j'avais le caps lock qui était Allez, on va repartir. AS, hop. Donc, manager. Et donc, P. Ah, je vais le copier-coller parce que... non, c'est pas admin du coup, DJ Thales. Login success. Voilà. Bien, maintenant... Maintenant que j'ai bien le binou, c'est ça. Voilà. Et il n'en veut pas. Pourquoi il n'en veut pas? Ah! Ah, punaise. Allez. Ah, bah alors. Donc, on a dit 10.10.234.6 slash content slash as slash monstre. Pourquoi il en veut pas? Ah, c'est parce que j'ai peut-être encore fait des bêtises. Allez. 10.10.234.6 slash content slash as
Non. Alors. Ah d'accord, il faut juste le host. Ok. Host slash content. Ok. Non, toujours pas. Pourtant, c'est bien 10.10.234.6. Attends, avant de le... J'ai très envie d'hardcoder le truc, si vous saviez. Si vous saviez comme j'ai envie d'hardcoder le machin. Ah, parce que peut-être que pour lui, ça doit être absolument une... Est-ce qu'il fait de la sanitisation sur le host? Do it. Allez, host égal, hop. Sachant tu as accès au CMS, modify la 404 ou un content du genre. Emile va débarquer dans la seconde. Non. 10.10.234.6 slash content. Voilà, allez. Enter username. Donc on a dit manager. Name manager is not defined. Mais pourquoi il se vautre? Allez. Manager. Le password égal. Hop. Est-ce que ça serait pas la version de Python? Potentiellement, Xavier. Je crois pas que Nadine de Coachfield fasse du Python. Password 1, 2, 3. Voilà. Pourtant, j'ai mis Python 2, mais on peut tenter Python 3. Hein. Enter file name. Bah voilà. Pourtant, j'ai un exploit. Ah. Point slash exploit.html. Ah. Invalid syntax. What the? Allez, on va le tenter en Python 3. On sait jamais, sur un malentendu, ça pourrait passer. Ah, et ben voilà. Bien vu, Xavier, pour la version de Python. Bon, ça, c'était juste pour le LOL. Maintenant, on va pouvoir créer, effectivement, un reverse shell. Donc, allez, hop, reverse shell PHP. Pentest Monkey. C'est bien, ça. Après, il y en a qui trouvent que Rust... J'ai pas regardé les streams sur Rust de Emile. Tiens d'ailleurs, on va faire un petit shootout. Hop, shootout de Emile NB. Que je vous encourage à aller follow de ma part. Nanana, nanana. Et il est compliqué son... On va le tenter. On va le tenter. Hop, row. Hop, copier. Et donc, a priori, il faut changer. Hop. Faut changer l'IP qui est là. Tune 0. Hop. Slash 17. Et B. Et histoire de dire que j'apprends des choses, c'est quoi le. Le, c'est quoi, c'est Pawn4 hein? Le Netcat de chez Chaos. Salut à toi, Charconnet. GnuPG, la toolchain, c'est pas avec Rustup plutôt. Oh là là, alors si vous commencez à parler... alors, Pawn4, t'as dit Pawn4-CS. Pawn4-CS. Non, je l'ai pas. Sudo apt-y install. Hop.
Non, il n'y a pas. Ah, c'est ON4. Ouais, bon. Pwn4 moins help. Moins serveur mode. ça s'installe via pip Ça s'installe via pip. Bah allez. Pip 3 install. Ok. Allez. Je pense qu'il va chouiner parce que j'ai baffé moins U. À moins qu'il le considère par défaut moins U. Si, voilà. Non, il dit quoi? Does not currently take. Ah ouais, ok. Bon. Hop. Le ON4. ON4, ON4, ON4. Il est passé où? Voilà. Moins moins listen. Ok. Je voudrais juste le numéro de port. Moins moins port. Ok. Donc, hop. Est-ce qu'il écoute? Ouais. Ensuite. Donc là, on a notre reverse shell, c'est bon. Mon LP port. Ah, attends, on va refaire. Hop. Exit. Ah d'accord, il a un. Moins LP. Bon, ça fait peu de choses près. Je crois qu'il listen par défaut. Ouais, il listen par défaut. Donc j'ai bien mis mon IP, j'ai mis le numéro de port. Tac tac tac. Bin, allez, on va tenter bin bash carrément. Hop. Et ensuite, on relance notre binu là. Et on a dit document THM lazy admin. Et c'est hop, c'est celui-là. 3. Hop. Ok, donc a priori, je copie l'adresse, je viens ici et il me dit 404 not found. Est-ce que par hasard? Non, j'ai pas de shell. Alors, Tregi, dans l'absolu, ça m'embête pas que tu parles de Rust, mais tu risques pas d'avoir une oreille super attentive de mon côté, vu que je suis occupé à essayer d'exploiter la machine. Mais l'anecdote a l'air marrante. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Est-ce qu'on voit les fichiers sous le dossier attachment? Oui, c'est vrai qu'on va aller revenir dans le truc. Attachment. Et a priori, il n'y a rien. Je dois ouvrir le fichier après l'upload. Bah ouais, c'est ce que j'ai tenté de faire. C'est ce que j'ai tenté de faire. Et il me répond 404. Alors est-ce que ce serait pas slash AS par hasard? Non plus. Alors, est-ce qu'il y a des limitations? Non. Il y a peut-être une protection sur le PHP. Ah, peut-être. Qui c'est qui avait donné un petit hint? C'était bot clean. Le bot clean, il est parti, je crois. Alors. Donc ça, c'était quoi ça, Dulna?
Ah, ça, c'était pour reset le mot de passe, mais ça, c'est plus la peine vu qu'on l'a. Et un list directory de la page web attachment. Alors attends, je vais revenir ici. Là, la page web attachment, j'ai rien du tout. Non, là, j'ai rien. Pour acheter access, il dit rien. Général. Pas depuis le manager, mais de là où tu appelles le PHP. Je suis pas sûr de comprendre. Salut à toi, particule de Dieu, bienvenue. Je suis pas sûr de piger, dit Jetalaise. Un list directory de la page web attachment. Pas depuis le manager, mais depuis là où tu appelles le PHP. Alors. Ah, tu voudrais que je tente? Ça. Et j'ai juste le exploit. Ah, donc le exploit.html, il est dispo. Mais le PHP reverse shell, il n'a pas été uploadé, a priori. Tu l'as mis où, le reverse shell? Bah, il est là, PHP reverse shell. Ah, je l'ai peut-être pas bien uploadé alors. Merci pour le follow, Mister Huge. Merci à toi. Dans la page error, c'est le mieux. Dans la page error. Je suis pas sûr de comprendre exactement pour l'instant. Attends, il est où? Là. Essaye de renommer ton fichier en .phtml. Ouais, ça se tente. Donc, attends, tu sais quoi? nvphp reverse shell.phtml et on va l'appeler exploit.phtml. Du DevOps et de la sécu, tout ce que tu aimes. Ça me fait très plaisir, merci beaucoup, Mister Rouge. C'est reparti. Exploit.php. Hop. File uploaded, success login, nanana. Copier l'adresse du lien. Hop. Et là, ah, ça charge. Connexion, connexion. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ce serait en train de fonctionner? Est-ce qu'il va me lâcher un bash? Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va réussir? J'aurais peut-être dû mettre binsh au lieu de. Mais oui, effectivement, j'avais déjà le listener particule. Je l'avais déjà. Fais ID 7, car là, t'as déco. Hein? Quoi? Là, t'as la co. Contre-C dans. Alors, on va relancer le bignou. Voilà. Hop. Failed to demonize. C'est pas grave. Hop, on recommence. Received connection. Merci beaucoup pour le follow, Volpino. Merci à toi. Juste ID. Hop. Non, là j'ai rien. Ouais, je vais peut-être tenter le bon vieux NK, le bon vieux netcat en fait. Hein. Hop, allez. Est-ce que j'ai un NC? Ouais. Alors. Parce que ça fait longtemps que je me suis pas servi de NC. Je crois que je dois avoir un moins L pour listen, non? Voilà, moins L listen. Et sur le port, bah, on a dit que c'était le port 1, 2, 3, 4. Moins LNVP. Ah, merci. LNVP. Hop. Voilà. Hop. Et on va recommencer. Ah, bah voilà, ça y est, je l'ai.
Je l'ai. Voilà. J'ai mon bash. PWD. Ok. Donc maintenant, il faut que je trouve le... D'accord, il n'y a pas de home. Oui, déjà, on est dedans. On est dedans. Donc, ce que je peux d'ores et déjà essayer de chercher, ça va être le user flag. Sérieux, la box est en I686. Ok. Oh, t'abuses. Si je lance un, si je fais un source slash etc slash bash point bash rc. Non. Bin bash. Pourquoi il fait juste un... Alors... Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Bash complétion, bash.bashrc. Ah, il est pas exécutable. Find flag.txt. Ouais, effectivement. Hein, hop. Find slash moins iname. On va peut-être faire moins de keep file. F. Cron, tu vois des données. Crontab moins L. Que dalle. J'ai rien du tout. Ah, peut-être etc. Fondé. Ouais. Anacron, j'ai rien d'intéressant. Et puis bon, le popularity contest. Le cron.d, non, on peut pas écrire dedans. Le fichier comptable. Non, faut pas exagérer. Mais sudo-l, c'est... Ah ! Oh, mighty guy backup.pl. Ok, bien vu Xavier. Tréguy, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont parlé de cron, mais je suis allé regarder. Tu fais un grep bash sur le TC passwd pour voir les utilisateurs. Tiens, ça peut être marrant ça. Grep bash etc passwd. On a root, on a IT guy et on a un guest. Par contre, on a un user, on a 3W data qui peut lancer ça. RWRRX. Ah, ok, bon. Toujours sudo suid et comptable pour le privé. Ah oui, pour les escalades de privilèges. Pour celui qui demande. Ok. Ok, donc déjà, est-ce qu'on peut aller dans Home IT Guy slash home. User.txt. MySQL login. Backup. Oh là là, oh là là. Allez, 4. Alors déjà, on a un flag. On a un flag. Ça, c'est cool. Et c'est bon. Donc déjà, on a un flag. On a fait la moitié du taf. Alors... Merci Xavier pour le GG. Alors tu as eu ça au bureau des qui lançait un superviseur de Tomcat en route qui relançait Tomcat en route qui décompressait les war. Oh là là, et on est oh punaise. Ok,
GTA Phobins est pas mal pour connaître des commandes vulnérables pour la... Ah oui, pour un... Alors là, j'ai lu le script backup.pl. Non, pas encore, DJ Thalès. Mais effectivement, vu qu'on peut le lire, probablement... shetc/copy.sh. Ok, alors la question c'est quels sont les droits là-dessus? Non! 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 Oh, c'est moche ça! Le pire, vous savez, le pire c'est que ce genre de bêtises, je l'ai déjà vu en prod dans le passé. Pas chez mon. Pas dans mon expérience actuelle, mais dans une expérience passée, j'ai déjà vu un truc du genre un script exécuté par root mais qui appartient à un autre utilisateur. Et du coup, bah l'autre utilisateur, il peut mettre n'importe quoi, il devient root. C'est juste. Enfin voilà. Donc, eh bah allez, via etc etc/copy.sh. Mais oui, effectivement, particule, ouais, effectivement, il faut peut-être mieux me laisser faire. Est-ce que... Sérieux, il n'y a pas VI? Bah, il y a peut-être Vim. Non plus. Bon, on va faire un 4 du etc/copy.sh et puis on fera... Au pire, on fera... 4 RM moins... Allez, écho. Oui, il y a peut-être Nano, effectivement. Mais je trouve ça quand même bizarre qu'il n'y ait pas VI sur la box, quoi. Erreur. Ah, punaise. Allez. C'est un remote challenge. Ouais, non, mais on va faire un petit 4. On va faire un petit 4 dans. Hop. Comme ça, à la fin de tccopy.sh. Qu'est-ce que je peux faire comme commande sympa? Qu'est-ce que je peux faire comme commande sympa pour passer route? Ah, je peux peut-être rajouter un. Export home égale slash tmp. Allez, tiens. Hop. Ah, mince, j'ai loupé le. Allez, netcat. On va relancer l'exploit. Hop, allez. Voilà. Allez. Echo, root, pipe. Fight, c'est dangereux, ouais. Alors, allons-y. Déjà, on va exporter le export home égale slash tmp. C'est pas mal, ça. Ensuite, nano slash etc slash copy.sh. Non, toujours pas. Bash-p. Ah, flûte. Eh, dès que je fais CTRL-C, ça devient... export term égale xterm. Allez. Export home égale slash tmp. Export term égale xterm. Ça sent le vécu, Yoda. Hein. T'as déjà eu des soucis comme ça, toi. Hein. Nano, etc. On a dit copy.sh. Eh, hey, GG. GG, Yoda. Tiens, par contre, c'est un nano assez récent pour qu'on ait la coloration syntaxique. Alors j'ai peut-être une idée. Ah punaise. Alors exit. Exit. Ah punaise. CTRL-C. Non, CTRL-C. Ah punaise. Allez. Ouais, à mon avis, on va faire un 4 goré. Hein. Faut pas faire le Python d'abord. Le Python, on l'a déjà fait, particule audio. On a déjà rajouté l'exploit. Ben, je devrais spawn TTI. Ouais, peut-être. Mais je vois pas trop comment dans l'immédiat. C'est pas un truc dont j'ai l'habitude. Si vous savez le faire, moi je veux bien le lancer tout de suite. Sinon, je suis en train d'hésiter à rajouter carrément une ligne dans... effectivement, lancer un netcat comme ça. Relancer un... Il ressemble à quoi déjà le... PHTML. Il lance quoi? Python 3, import PTY, PTY, bin bash. Ça se tente. Ça se tente. Hop. Qu'est-ce que je ferais sans vous, hein, franchement. Hop. Mais non, c'est pas ça que je veux. Ah oui, c'est vrai que je suis dans une...
Le copier-coller marche pas super bien. Allez, on va le tenter. Python 3, hop, moins C, avec un simple quote, import pty, point virgule, pty.spawn, hop, hop, slash bin, slash bash. Papapapam, et on a ferme le. Ok. Non. Tu me conseilles l'extension Hack Tools pour avoir ce genre de choses, c'est super utile. Ok, je note. Une extension Firefox, Chrome, Gnome. Et juste 7, ça marche pas. Bah, DJ Thales, en gros, ouais, on peut faire un cat ou un écho à la suite du fichier. Hein. Je suis juste en train de me demander comment est-ce que je peux balancer du coup, qu'est-ce que je peux écrire exactement dedans. Bah non, mais je suis bête, je fais un su moins dedans. Cat dans slash etc slash copy.sh. Voilà, je fais su. Hop, CTRL D, CTRL C. Ah, damned. On va devoir relancer le bignou. Hop. Voilà. Et maintenant, je fais slash etc slash copy.sh. Bash copy.sh tetface busy. Pgrep cat. Pkill moins 9 cat. Operation not permitted. Ah, flûte. Cat slash etc slash copy.sh. Et bah allez, slash copy. Ouais. Ouais, non, mais en fait, effectivement. Non, mais je viens de percuter un truc, c'est qu'il est déjà route. Je suis à la ramasse là, les gens. Donc en gros, j'ai juste à mettre dans. On va carrément écraser hein, dans slash etc slash copy.sh. Et on fait bash moins p. Voilà. Ah, fichtre. Salut à toi, Volpino. Et encore merci pour le follow, d'ailleurs. Il faut appeler le script via la... Ah oui, via la clé. Oui, bah oui, via le script de backup, effectivement. Alors, on va relancer le netstat. On va relancer ça. Hop. Voilà. Là, on est dedans. Donc, slash home... Slash home. Allez, slash home. Slash IT guy. Voilà, il faut que je fasse un. Slash home IT guy backup.pl. Hop. Normalement, il est censé me donner un shell à la fin. Il est censé. Mais il a pas l'air de le faire des masses. Il a pas l'air d'être très, très, très. Je suis dedans là? Non, je suis toujours 3wdata. Faut attendre une minute. Non, je suis encore... je suis pas encore route. Il faut le Perl. Date. Retape sudo moins L.
Ah, il fallait que je lance en tant que comme ça, peut-être. D'accord. Ah oui, sinon il n'est pas exécuté par. Non, toujours. Ah bah oui. Il manque le sudo avant. Hop. Et voilà, ça y est, je suis route. Route.txt. Allez. Pourtant, ce genre de choses. Hey, merci beaucoup pour le follow, particule. Merci à toi. Bon. Ça aurait été laborieux, hein. Pour un truc censé être facile, ça aurait été laborieux, hein. Honnêtement, je suis pas un pentester de métier, ça se voit, hein. Voilà. Merci beaucoup pour vos trades, merci beaucoup pour vos encouragements. Trilly, c'est juste qu'en fait, hein, en gros, pour expliquer, parce que j'ai, en fait, si tu regardes ETC comptable. ETC, non, 4 ETC comptable. Alors, 4/ETC/comptable. Tu as. Non, c'est pas dans le comp.d. ETC comp.d. Non plus. Ah non, c'est dans le sudo-l, effectivement. Dans le sudo-l, Tregi, tu as un script. Ah ouais, maintenant je suis root. Alors, sudo-u, on a dit c'était 3w-data. Moins L. Ah. Non? Bon, de toute façon, 4 etc sudoers. Ça doit être dedans, non? Sudoers. Non, il l'a pas. Si, il l'a mis là, voilà. Donc, l'utilisateur 3wdata, Tregi, il a le droit, sans mot de passe, de lancer la commande suivante. Donc, il faut lancer exactement cette commande-là. Et en fait, cette commande-là. Le slash home itguybackup.pl, si tu lis ce fichier, tu vas te rendre compte que dedans, il lance un système de slash etc slash copy.sh, et il se trouve que slash etc slash copy.sh et peut être accédé en écriture par l'utilisateur 3wdata. Ce qui fait que bah, tu mets un bash dedans, et puis bah, 3wdata, il a un shell root. Voilà, emballé, c'est pesé. Mais du coup, j'ai même pas. Pourtant, d'habitude, je pense à ce genre de choses-là, mais là, je sais pas pourquoi. Ça m'est complètement sorti de la tête de faire bah, sudo usr bin perl home itguybackup.pl. Voilà. Le script appartient à root pour pas que tu puisses le modifier, mais il appelle un autre qui lui est modifiable. Voilà, exactement. C'est dimanche. Merci de votre bienveillance et merci de votre compréhension. C'est gentil. Bon. Bon. Alors. Ça, c'est chouette. On va peut-être terminer avec la box, du coup. Poum, Terminate. Hop, on va pouvoir CTRL-C le Binu. C'était sympa. Moi, ça m'a bien fait plaisir. Non, franchement, il était sympa ce CTF. Je me sens juste vraiment bête d'avoir tardé sur pas mal de choses. Le coup du backup qui permet de récupérer le. Alors ça, c'est un truc. Bref, alors je vais repasser en mode, hop, en mode comme ça. Je vais rebaisser du coup le, je vais rebaisser. Voilà, là on est presque bien. Merci beaucoup pour le follow, Zouxence. Merci à toi. Alors je suis un peu surpris, je trouve que l'image est un peu sombre. Trigui, grrr, c'est vraiment chouette ton stream, mais je m'étais dit que je pouvais pas suivre à la fois Emile, Rancune et toi. Bah maintenant on va faire quand même. Bah écoute, Trigui, sache que. Tiens, je vais en profiter pour faire un petit interlude pour notamment tous les nouveaux, toutes les nouvelles qui ont pu arriver. Je stream donc 2 jours par semaine. Les jeudis de 20h à 22h, alors du coup je fais un peu doublon avec Rancune en ce moment, et les dimanches de 18h à 20h. En ce moment, les streams du jeudi sont plus orientés justement, on va dire, administration système DevOps, puisque on fait joujou sur une maquette que j'ai créée en outil d'infrastructure as code. On fait pas mal d'Ansible ces jours-ci. Enfin, ces dernières semaines, on a fait du LEMP, donc Linux, Nginx, MariaDB, PHP,
via Ansible. Et là, en fait, ces temps-ci, après un projet un peu fleuve, qui a un peu échoué, on va dire, j'ai fait quelques CTF pour changer un peu, un peu d'air. Je vais faire une pause sur les CTF. C'est pour ça que là, tout de suite, j'en relance pas. Ce que j'ai envie, c'est qu'en fait, les CTF soient des interludes entre d'autres streams. C'est, je trouve, assez sympa pour s'aérer un peu, se changer les idées. On va, avant que je commence à déballer ça, j'étais en train de me dire que je trouvais que il faisait un peu sombre. Je vous demande un petit instant, je vais voir si je peux pas allumer un peu plus de lumière. Alors là, ça fait peut-être un peu beaucoup. Alors, avant de démarrer, hop, donc quand je connais la réponse, c'est toujours... Ouais, GnuPG, c'est vrai que c'est toujours une fois que rétrospectivement, on se sent bête, mais il faut passer au-dessus de ce biais cognitif. Bah, merci de l'avoir rappelé. On va essayer de se sentir un peu moins coupable, un peu moins bête. Et Yanux, alors je suis désolé, je vais, moi ça me stresse là le truc qui est pas à sa place. Ouais voilà, c'est déjà un peu mieux. Alors le projet qui a fini en échec, Elodie Léo, c'est que j'ai voulu tenter un Kubernetes the hard way. Et à un moment il y avait des trucs qui marchaient. Qui marchait pas, j'arrivais pas à comprendre pourquoi, donc j'ai fini par lâcher l'affaire. Je pense que je referai du Kubernetes à un moment, mais pas tout de suite. J'ai besoin de faire autre chose que du Kubernetes. Je pense que j'en ferai bien assez tôt et que pour le moment, je sais qu'il y a plus simple que Kubernetes the hard way, mais je voulais comprendre comment ça fonctionnait en fait dessous. Donc, alors les prochains projets. Les prochains projets pour la chaîne. Kubernetes The Easy, ouais, faudrait que je vois s'il y a un truc dans ce genre-là. Hop, j'espère que ça va avec le micro, que je parle pas trop fort, que ça va. Il se trouve que donc les jeudis, je fais dans Ansible en ce moment. Et les jeudis, je manip sur une machine qui est en local, qui est une machine... je lance OKS sur AWS et voilà. Ouais, alors GnuPG, justement, la blague. Pourquoi non, pas sur AWS? En gros, moi, j'ai une machine, en plus de ma machine de stream, qui est normalement un peu péchue, parce qu'elle a deux processeurs, elle a, je sais plus combien j'ai mis de RAM, 96 Go de RAM, et donc il y a un SSD système, un SSD de data. Et cette machine, c'est quand même une machine, alors certes avec beaucoup de RAM, mais c'est une machine d'ancienne génération. C'est des processeurs qui ont plus de 12 ans, je crois. Et en fait, il serait peut-être temps de l'upgrade. Alors, Charconnet qui nous dit à propos de Kubernetes, j'ai découvert ce projet Talos Linux hier, ça a l'air... Alors, je vais noter ça, tiens. Hop. Talos Linux, tu dis. Talos Linux. Design for Kubernetes. Ah d'accord, en gros c'est un OS qui est fait pour lancer du Kubernetes. Ah ça peut être sympa. Ah, ça me fait penser à Fedora CoreOS. Donc, où en étais-je? Ouais, ma machine, du coup je vais pas bouger la caméra. Qui en plus ça arrête pas de refaire le focus, là c'est un petit peu ennuyeux. J'ai dû remettre les paramètres par défaut de la caméra, du coup elle fait autofocus, il va falloir que je règle ça à nouveau. Et donc cette machine, qui est certes péchue mais ancienne, j'ai fait appel à la générosité de personnes sur internet et j'ai obtenu de quoi l'upgrade.
Donc de quoi changer la carte mère, de quoi mettre des nouveaux CPU et justement un peu de RAM. Et on en vient à ceci, cela. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que ça vous intéressera, même si c'est risqué, parce qu'en gros, la carte mère, je ne sais pas si elle fonctionne. Est-ce que ça va vous intéresser que je fasse un stream de remontage, enfin d'upgrade matériel, où en gros, c'est bah, j'ouvre la tour, je la vide, je mets la nouvelle carte mère, je mets les nouveaux processeurs et je mets la RAM. Et on rebranche et on voit si ça marche. Donc ça c'est non pas d'overclock particule pour une raison très simple c'est que alors je d'ailleurs je peux vous la montrer c'est du super micro donc c'est de la carte mère workstation serveur donc pour overclocker ça je suis pas convaincu donc ça c'est la première idée de comment dire de live que j'ai. Une autre idée de live que j'ai et qui sera sans doute un peu moins. Comment dire alors, GnuPG, ça t'intéresse pas. Ok, mais on Oh bah, c'est bon à savoir que ça n'intéresse pas tout le monde. L'autre truc. Alors, Trigui à l'ancienne, je dessoude le quartz et je ressoude plus rapide. L'autre truc que j'avais idée, c'est que je voudrais me mettre en place un mini serveur de backup qui me permettrait en fait d'éteindre mon NAS. Aujourd'hui, j'ai un NAS qui justement tourne avec un processeur Xeon qui certes consomme pas énormément, mais je pense que je pourrais mettre un truc qui consomme moins. Et en fait, justement, je suis en train de commander quelques pièces pour essayer de rendre un peu plus silencieuse cette petite box. Alors du coup, avec le reflet, hop, le reflet, et vous voyez le contenu de mon bureau sur le reflet. Voilà, c'est marrant. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de me servir de ma tablette pour le stream. Alors, ce n'est pas un serveur ARM, pour l'anecdote. Donc, c'est un Shuttle X27D, pour celles et ceux qui veulent récupérer, voir la ref. C'est une machine qui doit dater de 2008-2009. Hop, voilà. C'est assez... Le post-it, mot de passe Twitch, password 123, on l'a vu. T'as mis la pause, il a pas de post-it avec son mot de passe collé sur le moniteur visible dans le reflet. Voilà, les grands esprits se rencontrent. Donc, en gros, voilà. Hop, la machine, vous voyez, elle est franchement petite. Et le ventilateur est, je crois, d'origine. Et donc, j'ai commandé un ventilateur normalement plus silencieux. Et ce que je voudrais aussi, parce qu'en fait, là, vous voyez que tout est intégré sur la carte mère. Je voudrais repaste le processeur et le chipset pour que ça chauffe moins. Il y a aussi un port IDE qui est disponible et je pensais me procurer un module, un DOM, donc un disque on module en IDE pour mettre l'OS dessus. Et en gros, là, hop, vous avez pu voir, il y a deux disques durs et puis, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ça, de faire un petit serveur de backup pour mes trucs qui sont, entre guillemets, dans le cloud. Bisous à toi aussi, FCLab. Merci d'être passé, en tout cas. Donc, ça fait partie des idées de projet. Donc, de faire des trucs un petit peu plus hardware. Network Shark qui a fait une bonne vidéo pour le NAS. Alors, j'ai déjà un NAS, en fait, qui fonctionne sous TrueNAS, qui fonctionne très bien. Mais c'est juste que ben, il fait, alors il fait un petit peu de bruit. Il n'en fait pas tant que ça, mais il en fait un petit peu. Là, vous l'entendez peut-être pas. Mais nous, je sais que quand on n'a rien d'autre d'allumé, on l'entend un peu, ça nous embête. Et donc, ce que je voudrais, en fait, c'est consommer moins, faire moins de bruit. Donc, mettre cette machine, planquer cette machine quelque part. Merci à toi d'être passé à Ribo, hein. C'était super chouette. Bonne continuation à toi aussi. Et donc, là-dedans, en tout cas, c'est un Atom 330. Donc c'est une machine qui date de 2008-2009. Il y a juste 2 Go de RAM en DDR2. Et pour faire des AirSync, c'est amplement suffisant. Et donc je me suis dit que ça pourrait être utile. Donc je me disais peut-être que pour des prochains streams, on fera du démontage de cette machine-là vraiment poussée pour repaste. Peut-être avant faire des tests de température et de vitesse de ventilateur pour voir ce que ça donne.
Donc j'espère que c'est des streams qui peuvent vous intéresser. Puis sinon, vous inquiétez pas, il y a toujours les Ansible, enfin l'infrastructure Ascot du jeudi. Et de toute façon, ça durera pas 25 streams, je pense. C'est ces petites bidouilles. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait de mon coupe-papier pour pouvoir ouvrir le truc. Il existe des mini-mini. Pas de bruit, très peu. Alors, bah justement, Yanux, c'est un peu ce que j'ai, sauf qu'en fait, c'est une machine que j'ai déjà. Et j'estime que la puissance d'un Atom 330 est amplement suffisante pour juste faire des AirSync depuis Internet, en fait. Eh bah écoute, particule, il n'y a pas de souci. Charconnet a un TrueNAS virtualisé chez lui avec pass-through des disques et ça marche pas mal. Alors moi, le TrueNAS, il est bare-bone, hein. Enfin, bare-bone, il est bare-metal. Ça y est, j'ai trouvé le coupe-papier. Je savais bien que j'avais rangé mon épée quelque part. Alors. Eh ben, on va l'ouvrir, hein. Alors, avant que je l'ouvre, je vous fais encore languir un peu. Donc, cette boîte-là, elle n'a jamais été ouverte. Vous voyez, l'autocollant, il n'a pas été touché. Et là aussi, ça n'a pas été touché. Et donc, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, il est indiqué sur la boîte que c'est un Intel Xeon E5-2630L à 2 GHz. Alors, de ce que j'avais vu, je crois, sur les specs de chez Intel, je vais regarder ça tout de suite. Hop. ARK.intel.com. Et je vais vous dire, grosso modo, alors, E5-2630L. Et vous savez quoi? On va se remettre un petit instant sur l'autre... Ah non, on va pas se remettre sur l'autre vue. Oh, bah tiens, Alain B, j'ai oublié de te dire bonsoir. Salut Alain, bienvenue. Donc le 2630L, hop, donc je vais vous mettre le lien d'ailleurs sur, hop, sur le chat. Voilà. Et en gros, il a 6 cœurs 12 threads, il a une fréquence turbo à 2,5 Go et il a une fréquence de base à 2 GHz et il a 15 mégas de cache, ça va. Mais il a un TDP de 60 watts, c'est pour ça qu'il est, flagué L en fait. Et donc, ce processeur, pas de débat Intel contre AMD, impossible. bah en fait, c'est pas que je veux pas de l'AMD, hein, c'est que ce que je récupère actuellement, c'est de l'Intel, hein, c'est tout. Et donc, ce qui fait que c'est intéressant que ce soit encore dans sa boîte, c'est que, et vous avez très certainement vu sur la photo sur les réseaux sociaux que j'ai posté, alors je sais pas si je le mets bien comme ça. Ouais, non, ça s'affiche pas bien. Il y a écrit dessus la mention Intel Confidential et il y a écrit ES. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce processeur-là n'est pas un processeur de série, n'est pas un processeur de production. C'est un processeur de test. ES, ça veut dire Engineering Sample. C'est la première fois que j'ai entre les mains un processeur de type Engineering Sample. C'est entre guillemets risqué, puisqu'en théorie, les particuliers ne sont pas censés les avoir. C'est des processeurs qui sont fournis généralement soit à des constructeurs, soit à des équipes marketing pour tester les processeurs, pour faire du test avant que les processeurs sortent vraiment sur le marché. Et... il y a le FBI qui sonne à ma porte. Oups, désolé. Mais alors, je pense pas que le FBI va sonner à ma porte pour ce modèle-là, en fait. Pour une raison très simple, c'est que ce processeur est sorti en roulement de tambour. Donc c'est du LGA 2011. Et c'était quelle date? Il est sorti en 2012 et il a été rendu obsolète en 2015. Alors non, Yanux, pas Q2 2014. Launch date Q1 2012. C'est le V1 celui-là. Hein. C'est le V1. Attention. Donc c'est voilà, c'est un processeur qui a 10 ans. Donc a priori, je pense que les engineering samples d'il y a 10 ans,
Intel s'en cogne. J'espère. Alors pourquoi c'est risqué d'avoir un engineering sample ? Eh ben, de la même façon qu'un logiciel peut être en version alpha, bêta ou release candidate, un processeur peut être en version alpha, bêta ou release candidate et ces possibilités peuvent évoluer pour un même modèle. Ce qui fait que peut-être que ce processeur a exactement les propriétés que j'ai dit, donc 15 mégas de cache, 6 cœurs 12 threads, fréquence à 2 GHz. Ou peut-être pas. Peut-être qu'il est à 1.6, peut-être qu'il est à 3. Je pense pas qu'il soit à 3 GHz. Mais toujours est-il que il est possible que ce processeur ne fonctionne pas avec la carte mère. C'est une possibilité, c'est un risque. Bon, on va vous ouvrir la boîte pour savoir ce qu'il y a dedans, à part le processeur. On sait jamais, sur un malentendu, il peut y avoir des infos croustillantes. Alors honnêtement, je pense qu'il est proche de la... Peut-être qu'il prend feu. Oui, peut-être. Peut-être GnuPG. Peut-être que le processeur ne marche pas. Après, honnêtement, je doute que ce soit un processeur qui soit... comment dire, qui soit tôt dans le cycle de développement. Je pense que c'est plus un processeur qui ressemble à s'y méprendre à un processeur de production. Allez. J'ouvre du côté de la petite... voilà, j'ai ouvert le truc. Ceux qui marchent pas sont pas dans des jolies boîtes comme ça, probablement. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Trégui. C'est la première fois que j'ai entre les mains un processeur engineering sample, et en plus dans sa boîte d'origine. Donc. Alors, hop. Voilà. Alors, qu'avons-nous ? On a du papier, du carton, du plastique et un processeur. Alors... Qu'est-ce que nous dit les informations ? Cher client, ça commence bien, dear customer. Voilà, la boîte est ouverte, la valeur de collection divisée par 3. C'est pas grave, crédit, c'est pas grave, pardon. C'est pas grave, Trégui, j'en ai 3 autres. Je pense pas en ouvrir, plus de 2 dans l'immédiat. Si ça sent un peu le neuf, quand même, ça sent encore un peu le neuf. Donc oui, c'est bien du Sandy Bridge EP. Des informations. Alors, les informations à propos de ces échantillons sont retenues par le Intel Customer NDA Agreement. Chuchote prêt. Hop, stream ASMR. Alors, j'aurais dû signer un NDA pour ouvrir ce processeur, mais ce n'est pas le cas. Franchement, la SMR, je... c'est pas mon kiff. Ouais, donc on a juste des informations sur différents trucs. Je sais pas, il y a des numéros de code. Hop, si, ça y est, je vois. E5-2680-2650L. Ouais, en fait, le truc, à mon avis, il est commun pour toute la gamme. Il est où le 2630 ? 2620 ? 2667 ? Ça fait du bruit quand je passe les pages. Qu'est-ce qu'on a là ? 2660 ? Tiens, il y a un non attribué. Et il y a donc un 2630L. Ok. Et le 2630 et le 2687. Ok. Ok. Bon, donc en gros, c'est juste un rappel de la gamme. Tel qu'ils l'ont créé à l'époque. Donc c'est pas ultra ultra fantastique, hein. Honnêtement, honnêtement je m'attendais pas à grand chose non plus, hein. Donc ça c'est mis à part le fait que effectivement en théorie si j'avais eu ce processeur directement auprès de Intel, j'aurais signé sans doute un NDA et j'aurais pas eu le droit de vous en parler. Mais bon. Donc ensuite, on a ça. Voilà. Alors, comment que ça se... Ah, d'accord. Ça s'ouvre par là. Alors, je vais vous montrer. Ça s'ouvre comme ça. Hop. Et là, je vais faire tomber le CPU façon Linus Tech Tips, hein, ou pas. Non, le CPU reste. Hop. Voilà. Et là, maintenant, je peux... Voilà. Donc, c'était... Non, c'est pas trop mal fait. C'est du carton, c'est bien. Et donc, voilà, j'ai le processeur dans son petit truc en plastique.
C'est du processeur donc de type LGA, c'est-à-dire que vous voyez là, ce n'est pas des petites tiges que j'ai, mais c'est juste des petites plaques. Et donc maintenant, on va pouvoir l'ouvrir. Alors, ça s'ouvre assez simplement, hein. C'est juste, voilà, hop, ça s'ouvre comme ça. Et hop, voilà. Alors maintenant, le jeu, c'est ne pas le faire tomber. Vous me direz, j'en ai trois autres, mais quand même. Hop. Puis je vais le faire façon bloc beauté. Hop, je vous le mets comme ça. Alors du coup, ouais, à part la plaque grise. Hop. Vous n'allez pas voir grand-chose. J'essaye de regarder par rapport à mon retour vidéo, mais en fait, ouais, vous voyez absolument pas les écritures qu'il y a dessus. Mais en gros, il y a donc écrit Intel Confidential QB80ES 2 GHz Costa Rica. Voilà. Donc, ce que je pense, c'est que bah, celui-ci, bah, il va faire partie de ceux qui vont être dans mon futur Home Lab. Et le deuxième, je pense que j'essaierai de faire une petite vidéo directement d'ouverture de la boîte. Et puis les deux autres boîtes, on verra s'il y a vraiment besoin de les ouvrir. Je vais le remettre quand même dans son paquet. Hop, voilà, comme ça. Hop. Comme ça, je le range. Il est protégé. Et voilà. Alors, je pensais qu'il y aurait peut-être un petit peu plus de documentation, à part juste donner des informations qui sont maintenant publiquement accessibles. Mais je suppose qu'à l'époque, ces informations étaient probablement sous embargo, en gros. Voili, voilou. Bah, j'espère que ces idées de projet pour les prochains streams des dimanches vous plaisent. Je vais très probablement commencer avec le mini PC. Parce que je pense que ça va être un petit peu complexe de gérer, comment dire, de remettre en place le setup que j'avais fait la dernière fois pour ouvrir la tour et la, comment dire, et changer les composants directement. Sans doute d'ailleurs que je ferai peut-être un stream à ce moment-là qui sera peut-être plus tôt dans la journée. Je sais pas encore comment je vais me débrouiller. A priori, il y a des gens pour qui PC from scratch. Ça vous botte. Donc je vais pas me priver si ça vous botte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si parmi les autres idées que j'ai d'un point de vue hardware, je pensais vous faire une petite démo de démontage de laptop pour faire du bah pour repaste la machine. Plus de son, plus d'image. Alors moi j'ai. Alors moi j'ai. J'ai le retour vidéo qui est bon. Ah, c'est peut-être chez Xavier que ça marche plus. Ok, ça marche. Bon. Mais je pense que en fait, si vous voulez voir des gens qui démontent des ordinateurs portables, bah, vous allez voir Inforéa. Tiens, je vais faire un petit shootout d'ailleurs. Hop, slash shootout, Inforéa. Info, rien. Hop. Parce que lui, il fait vraiment il fait vraiment que de ça. Donc, je pense qu'il le fera bien mieux que moi. Il vous montre un peu comment on répare des ordinateurs portables. Donc, c'est franchement chouette ce qu'il fait. Donc, je pense pas que ça aura une valeur vraiment ajoutée que je vous montre moi en live comment j'ouvre ma machine et comment je remplace la pâte thermique. Dernier petit truc. Petit appel à l'aide. Si jamais par hasard vous avez dans vos tiroirs l'équerre version longue de cette carte graphique qui est la MSI N210, ça m'intéresse. Parce que du coup, je vais la mettre dans une autre machine, mais du coup, je vais enlever cette équerre-là qui est une équerre dite low profile. Et ce serait un peu dommage d'avoir le truc sans équerre. Ça ferait un peu comme les cartes mères sans l'IO Shield derrière. Voili, voilou.
pour un peu je dirais, cette interlude matérielle, en tout cas pour le stream de ce soir. Moi, en tout cas, je suis très content. Je suis très content qu'on ait, parce que oui, grâce à vous, c'est grâce à vous que ça a été réussi, ce CTF Lazy Admin, et que le petit teasing que je vous fais pour les prochains dimanches vous plaît. D'ici là, comment ça se passe? Eh ben, on peut faire un petit point d'exclamation socials. Hop, point d'exclamation. Non, j'ai dit point d'exclamation. Voilà, socials. Vous allez avoir... du coup, ça marche plus. Non, ça marche plus. Oh, je suis deg. Alors, si ça se trouve, c'est peut-être moi qui ai pas le droit de le faire, mais quand même. Alors, si je fais un point d'exclamation hardware, je sais plus si ça passe. Non. Ah, les commandes marchent plus. Je suis deg. Bon. Alors, globalement, si jamais vous voulez suivre mes aventures hors stream, point d'exclamation socials est censé vous afficher mon site perso, anotherhomepage.org. Je vais vous le mettre comme ça, anotherhomepage.org, dans lequel vous allez retrouver ma présence sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire Twitter, Mastodon, YouTube, puisque donc les vidéos au bout d'un moment sont renvoyées sur YouTube pour la VOD, et puis aussi Instagram. Vous trouverez aussi, comme vous avez là, mais en version cliquable, le Discord de la chaîne. La communauté s'agrandit et ça c'est chouette. J'ai cru entendre quelques petits bruits d'ailleurs de gens qui ont rejoint le Discord aujourd'hui. J'en profiterai pour les accueillir une fois que le stream sera terminé. Donc, n'hésitez pas à passer, à faire un tour et dire bonjour. Et puis sinon, on se donne rendez-vous deux fois par semaine. Les jeudis de 20h à 22h pour une partie qui est plus voilà, DevOps, sysadmin. Et ici, le dimanche, pour jusqu'à maintenant de la cybersécu. Mais maintenant plutôt du hardware pour les projets à venir, donc de 18h à 20h le dimanche. Est-ce qu'on se ferait pas un petit raid? Est-ce qu'il y a quelqu'un à raider avant d'aller... Alors je sais qu'on a déjà, raidé Olaz Raid, donc je vais peut-être pas le faire deux semaines de suite, mais si jamais vous avez quelqu'un d'autre à aller raider, je suis pas contre. Et puis, merci à toi, GnuPG. Bonne soirée à toi aussi. Moi, ça m'a fait plaisir. Je vais du coup vous donner rendez-vous jeudi prochain, si jamais ça vous va. Et surtout, si vous n'avez personne à me proposer de raider. Non ? Personne ? Parce que là, du coup... De toute façon, j'ai envie de dire pour une partie d'entre vous, alors sur PC, ça peut être une idée. Sur PC. Ils sont déjà 1000, en fait. Je pense qu'arriver avec 40 personnes, je sais pas si ça va suffire. Mais ça se tente. Ça se tente. On fait ça alors? Allez, on va faire ça. Et puis de toute façon... Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vais lancer le raid et puis je vais d'abord mettre l'écran de fin. Allez, bonne soirée à tous. Restez pour le raid et puis à bientôt. Bye bye.